Nela mubisika nyonso bozuli bakou ya kolanda magazine na bino d'actualité olingala facile solo la plus ya mokola lelo bandi mbote na bino centrale électorale débit ya opération ya dépôt ya ba candidature pour na élection ya ba sénateur gouverneur pe vice gouverneur et salami mokola lelo boza ba détail n'élément oyo le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats. Ouverture, il y a des travaux, il y a réception, puis traitement, il y a des candidatures pour l'élection, il y a des gouverneurs, vice-gouverneurs, puis sénateurs. Et ça l'a mis les lots comme annoncé dans la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle centrale électorale, a publié qui lundi 29 janvier, calendrier naïe réaménagé, il y a processus électoral 2022-2027, dans lequel a fixé qui bah date, il y a opération, l'ensemble, il y a territoire national. Selon calendrier, élection, il y a des sénateurs, et que organisé le 13 mars prochain après campagne électorale aux Ezalis prévue du 27 février au 27 mars 2024. Quant à l'élection, il y a un gouverneur et vice-gouverneur et Kozala le 7 avril au terme. Il y a campagne il y a 3 jours, soit du 3 au 5 avril 2024. Calendrier révisité, Ezalis qu'on prévoit également l'élection dans certains territoires et Sikawapi. Commission électorale nationale indépendante a annulé qui ba résultat suite y a ba irrégularité constatée lors y a ba scrutin. Pour un rappel, institution d'appui à la démocratie Oyo na République démocratique du Congo a organisé qui ba élection présidentielle, législative et municipale na date y a le 20 décembre 2023. Hey, yo. Projet métro Kine, c'est le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Excellence Jean Tiningo Bilambaka, a pesi go pour le début de la travaux. Retour en image. Démarrage y a des travaux, il y a projet de modernisation, il y a réseau ferroviaire urbain, il y a ville, il y a Kinshasa. Et Zali Kosa la Makalate pour gouverneur de la ville province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a pesi aval Ndenge Batalisi Awa, ba axe exécution. Le gouverneur est venu nous annoncer. Les arrêtés qui sont pris, 5 arrêtés pour les démolitions précisément des amis qui habitent les riverains sur la voie ferrée. Parmi les 5 de ces arrêtés, donc première démolition de l'aéroport de Njili jusqu'à vers Tchenke, la deuxième la fermeture de l'aéroport du cimetière de Tchenke, troisième de Tchenke jusqu'au 12e rue, troisième arrêté de 12e rue jusqu'à vers Pakadjouma et puis au Kawele. Pour le gouverneur, pour lui, il a déjà signé les arrêtés. Maintenant, on attend les amis de Bessico qui doivent faire leur part aussi pour indemniser les gens qui habitent au pouvoir faire leur. Aujourd'hui, avec plus ou moins 18 millions d'habitants, il n'y a plus de chemin de fer. Et c'est ça le drame que nous connaissons. Et c'est comme ça que l'autorité urbaine, avec le partenaire TCC et l'ONATRA, ont mis en place ce projet Metrokine, qui a connu des avancées. Comme vous le savez, on a procédé à des études d'impact environnemental, études techniques, qui sont terminées, qu'on avait remises à l'époque à l'autorité urbaine. Et maintenant, on est à la phase opérationnelle pour dégager la voie ferrée que vous connaissez très envahie par les constructions anarchiques. Et ces travaux vont bientôt commencer. Et pour ce faire, l'autorité urbaine a d'abord pris quelques arrêtés importants, 5 au total. Le premier, pour faire dégager les occupants de ces tronçons.
le second pour fermer le cimetière de Tuengue. Vous savez que le cimetière de Tuengue est construit, a fini par envahir la voie ferrée vers l'aéroport, et puis il y aura la démolition des constructions anarchiques. Créé et structuré na Copirep le 28 janvier 2022, Metrokin et Zali Société Ferroviaire Oyo Eye ko apporté ba réponse na ba besoin ya mobilité ya ba Kinois. Yekeyo. Tribunal ya garnison militaire ya Kinshasa Gombe a renvoyé audience pour na lesi février audience aux Zali Kolobela 65 présumés. Kuluna au Bakanga qui na ville province ya Kinshasa c'est ngébo ba ke 30 parmi bango ba kosani ki bazali ba mineur vous avez détail. Instruction ya affaire ya 65 présumés Kuluna jugé en audience publique dans le ministère intérieur et c'est pour souvent qui mokolo ya jeudi 1er février 2023 au cours ya audience oyo défense ya ba prévenu a adressé qui na tribunal près de 20 mémoires et sigawapi ba souleva qui plusieurs exceptions en faveur, il y a quelques présumés Kuluna dont notamment incompétence personnelle, matérielle, paix territoriale et tribunal. Exception Moussousou Ezalaki, également soulevé na partie défenderesse, Oyo Basengaki na tribunal a déféré, ba prévenu, présenté local ba mineur, Liboso ya ba juge naturel na bango. En outre, selon ba avocat ya ba prévenu, ba talisi ke ba koki kozala jugé na tribunal militaire te, po bazali ba militaire te na part na bango ministère public abwaki saki ba argument na bango nyonso po atalisa kike ba infraction oyo bazali poursuivi nango loko la infraction ya terrorisme ezali ko obliger bango bazala liboso ya juridiction militaire conformément na code militaire na article 79. Concernant Makambo Etali ba mineur ministère public asengaki expertise médicale afin ya ko déterminer âge ya au moins 30 prévenus présentés lokola ba mineur kasi bango ba monaki yango lokola lokuta yango tribunal andimi intervention ya ba médecin spécialiste pour na ko déterminer âge exact na bango d'où affaire ezali renvoyé pour na mokolo ya mardi 6 février 2024 dossier à suivre. Ba sinistre ya mpela na Kingabwa tozali bongo na commune ya Limete ba beleli ba konzi bosela bango eloko. Monte ya mai ya fleuve Congo communément appelé Awa na République démocratique du Congo phénomène pela catastrophe naturelle oyo etiki ba famille ebele sans abri pe na ba difficulté ya ndenge na ndenge neti Awa na quartier Kingabwa na commune ya Limete esika wapi ba lancer cri d'alarme na bango na ba konzi ya mboka. Oya munene ya mutiwa na koloba toza na souffrance toza ba congolais mboka na biso Congo eza na ba konzi ya mboka mais mon konzi oya liboso to tia motema ezali fatu beto to vota ki ye po to mona eza na ba ambition moko ya malamu toza sûr ki akosunga biso mama Denise Nyakero yo ezali première dame mwasi ya mokonzi oza mama na biso tala ndenge tozindi ba image ezali kasi boza komona. Ils ont pris la carte, ils ont pris mon kilo mobile. Mais mon kilo mobile, il faut que la banque soit solution. Tous ces gens ont eu maman, ou ils ont eu un papa, Fatih Béton. Le peuple a voté, le peuple a voté, il a prêté le serment. A tel, a vu sur les cambois. Si tu es belle, côté à côté, tu es collé, tu es ding, tout ça. Ce qui m'a délocalisé, c'est que tu es délocalisé. Tu es délocalisé, tu es délocalisé, tu es délocalisé, tu es délocalisé, tu es délocalisé. Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de la délégation présidentielle, ils ont été en train de se faire, ou bien ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire, maman a été en train de se faire. Tous les gens qui ont été en train de délocaliser le bateau, ma belle est belle. Babou, maman, si tu es là, quand tu es couffé, pour mboula, ils ont été en train de se faire. Et ma casque, c'est une maman. Il y a une maman qui a été en train de se faire. Papa. Papa a dit que c'était un miracle. Aïe, wakenda, wakenda, il n'y a pas de temps pour papa. Aïe, il y a papa qui voilà, na moni, na mona misu, bana bazindi. Bonjour, mon élinga, il y a la caca. Il y a un bunga. Il y a un boîte qui a été en train de se faire. Il y a un misère. Maman, il y a un peu de temps.
Tobanzi ke message na bino e komi bel et bien na matoyi ya bakambi ya mboka. Dossier à suivre. Fulu monene e botami na kati ya rivière Gombe sur avenue de la Libération. Gouverneur ya ville Jean Tiningo Bilambaka uzawapi. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto e vandi likolo ya mayi. Awa mutakoki kotambola na ye a l'aise akatisipe na ngambu lokola zole kakaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre, plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala, ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi, ba bidon epayi, matiti epayi, ba pneu bepave ya ba congélateur, ba mbwa ba kufa likolo nango bakisa lisusu ba câble ya snel pe ba tuyo ya régie des eaux soki pe opusani kuna na musika oko remarquer ki mapangu nyoso babimisa batio na bango ya ba faux sceptique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondi mate solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela ba kondi ba lekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa 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 ba cortège ezali koleka kasi bamona salité oyote yango population imituni yoka communication. Bon, par rapport ya boseto na wolo bela ke esala ka passe donc na wolo bela on a deux volets. Premier volet ça par rapport ya responsabilité ba police ba konzi ba aider biso population pour que soit aider biso population et la place est pour localiser la salité où on a place à revoir. C'est la rapace qui est au Melimaï, au Lebitabe. Comme on a place au revoir, quand on a salé sur 100 mètres, on a salé sur 50 mètres, 2 mètres, aussi bien on a place à revoir quand on a place à revoir. Mais les à caniveau et comment on a place à revoir à Bosoto,
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ce qui est Apollo, Apollo est un peu comme Sony, ce qui est Apollo, pourquoi tu as bombé Nara? Pourquoi tu as bombé Nara qui est Apollo? Article 16, la vie humaine est sacrée. Dolingi, vie et la vie sont battues à la sacrée, la nyonce. La vie est sacrée, et si tu vandi, et si tu dolani, donc on fait ça. Donc la pauvreté, c'est la grande règle de la santé. Boye, tu ou meli, nango, tu ou meli, dolembi. Dolembi, il ne faut pas changer à ta. Ba, seigneur, nango, et puis, ce qui va seigneur, ba, longo, nango, rapidement, pour bangungi. Insectes belés, bayaka naba malade na kati ya bosotoan. Et sa propreté. Et si ka bat bazo vanda, et si ka moussotoponza, c'est pas bien. Vraiment, pas bon ça. Papa, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, Excellence Jean Tiningo Bilambaka, oye le kanaka awa, oye bi angote, pour tango moussousou, tomo na kaba réunion na ba boukoumestre nyonso ya ville ya Kinshasa, bayaka kobete la yoma solo nini, population imituni. Ata salongo ya pamba isala makati. Je koko azwaki interim ya ville ya Kinshasa kaka quelques jours awa tumona ki bafulu elongwaki neti na bokasa na commerce tope na wileri. Yaboye toloba tolobati. Koka mwen. Traditionnelle conférence de presse d'avant match Sengeli Boye Bake Gédéon Kalulu pe coach Sébastien de Sabre Bazalaki Liboso yaba pandi sango avant match ya RDC pe Guinée Balobaki Nini vous avez détail. On peut s'attendre à ce que nous en tout cas on joue crânement notre chance toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot. En répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc on peut s'attendre à peut-être à un match ouvert parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. On aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces, qu'on adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que je trouvais vraiment cette équipe de Guinée très complète avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression, mais aussi on est conscient aussi de nos points forts
et de cette capacité où on sait que on peut également passer cette étape. C'est la victoire, c'est le nombre de points qu'on a et le parcours qu'on fait. Je pense qu'il y a deux victoires dans cette compétition. La première, c'est d'avoir atteint les huitièmes de finale, d'être sorti du groupe en étant second du groupe. Ça c'est une première victoire pour moi. Puis la deuxième, c'est de pouvoir battre un top 5 et un top 5 contre l'Égypte. Vous savez, une compétition, ce n'est pas des matchs, ce n'est pas un championnat à long terme. Le principal, c'est de passer les étapes en essayant de faire le mieux possible. On a marqué des buts, on n'en a pas encaissé beaucoup. Donc c'est vrai que je pense que par rapport à ce qu'on a proposé, on aurait peut-être pu en marquer plus. Mais voilà, on est calme et on sait très bien qu'on est perfectible dans notre jeu. Et c'est ça qui nous rend encore plus intéressant. Je pense qu'on a encore une marge de progression. Par rapport à ce quart de finale, je pense qu'il y a beaucoup d'excitation de la part de tout le groupe. L'excitation d'affronter ce genre de match, ce genre de compétition, d'arriver à ce stade-là. Donc c'est une nouvelle épreuve qui se dresse devant nous. Donc il y a beaucoup d'excitation, je dirais, à préparer ce match-là et à voir de quoi on est capable face à cette Guinée, tout simplement. Un joueur comme Chancel, ça fait beaucoup de différence dans un groupe. Moi, j'ai la chance d'être avec lui dans le groupe et d'être très proche de lui sur le terrain. C'est vrai qu'il est plein de bons conseils sur et en dehors du terrain, plein de bons conseils, c'est-à-dire tactiques, techniques, de positionnement. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très nourrissant de travailler avec un joueur comme Chancel, avec beaucoup d'humilité et de calme et surtout beaucoup d'exigence. Déjà qu'on en a beaucoup avec nous-mêmes, envers nous-mêmes, on a beaucoup avec le coach et il y a des joueurs comme lui qui sont là pour ajouter cette petite différence qui fait qu'on est encore plus exigeant avec nous-mêmes. Donc voilà, c'est tout ce que Chancel a en lui-même qui nous apporte à moi-même et au groupe collectivement. Ninango si la gâte, ton combina souka ya présentation, ya solo la plus, ya mokole lobotika. Tu souhaites joyeux anniversaire na Luciana Kankou, azali ko célébré en gros mokole lobotika. Pekomela ezali au rendez-vous. Pourquoi pas ko souhaiter l'issou joyeux anniversaire na Gédéon Mwanza. Moko ya ba reporter na Bino ya magazine solo la plus, ye pas ali ko sepela mokole lobotika. Sepela ki une édition ya mokole lobotika. Merci. Na bondi mvutuka azalaki au four et au moulin ba mataba kita ba baluka mabele ngai na préféré bino tukutani lobi